Vous avez fait un déplacement à l'Élysée fin janvier, c'était il y a une quinzaine de jours, avec Jean-Michel Aulas pour défendre l'OL Land, donc le projet de nouveau stade à Lyon. Vous avez demandé à ce qu'il soit déclaré d'intérêt général. Où en est-on? Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse de la part du gouvernement, donc évidemment, je m'inquiète. Si vous voulez, cette déclaration d'intérêt général, pourquoi elle intervient? Tout simplement parce que il y a quelques années, nous avions réfléchi avec, par exemple, Philippe Séguin, qui avait été chargé d'un rapport, comme vous le savez, sur les grands équipements sportifs dans notre pays. Puis on avait vu que le gouvernement, comme je viens de l'indiquer, n'a plus beaucoup de moyens, que les collectivités locales sont aussi un peu justes, et donc qu'il fallait impliquer des partenaires privés dans la construction de ces grandes enceintes sportives. Et donc, Philippe Séguin avait fait un rapport où il indiquait que l'on pouvait avoir une déclaration d'intérêt général pour un équipement privé. C'est exactement ce que nous voulons faire à Lyon. Et je constate qu'aujourd'hui, le gouvernement traîne à donner à Lyon cette déclaration d'intérêt général alors qu'il vient de la donner à Nanterre pour le même type de projet. Moi, ça fait un an que je le réclame. Entre la demande de Nanterre et puis l'accord par le gouvernement, il y a eu 3 semaines. Donc je me dis, un peu différence de traitement peut-être. Alors on sait que ce projet ne fait pas l'unanimité, en tout cas surtout à Lyon. Surtout parmi les députés UMP. Les mauvaises langues pourront toujours dire que cette déclaration d'intérêt général, c'est juste un passe-droit pour pouvoir aller jusqu'au bout de la construction. Non, si vous voulez, aujourd'hui, qui est contre à Lyon? Les Verts. D'accord, une partie des Verts. Parce qu'ils sont contre tous les grands projets. On pourrait prendre tous les grands projets d'infrastructures. Ils trouvent toujours que cela ne convient pas. On est un peu dans le limbi. Et puis, les députés UMP. Vous voyez, par exemple, on a fait une réunion. Enfin, Jean-Michel Aulas a organisé une réunion. Il y avait tous les grands acteurs économiques de Lyon. Il n'y en manquait pas. Tous les grands acteurs culturels de Lyon, il n'y en manquait pas. Tous les grands acteurs sportifs de Lyon, il n'y en manquait pas. Tous les grands acteurs sociaux de Lyon, il n'y en manquait pas. Bon, après ça, si le gouvernement, parce que je suis de gauche, décide de nous mettre des bâtons dans les roues, vous pensez que c'est quand même 400 millions d'euros, alors qu'on nous dit qu'il faut que le pays aille de l'avant. Que l'on élimine à Lyon. Vous pensez que Nicolas Sarkozy, François Fillon ou Claude Guéant, puisque c'est lui que vous avez rencontré, je crois, à l'occurrence, souhaite vous mettre des bâtons dans les roues? Je ne pense pas que Claude Guéant fait ce qu'on lui dit. Alors après, le jeu est difficile. Hein. C'est comme au PS un peu. Hein. Entre Nicolas Sarkozy, François Fillon, Monsieur Copé, est-ce que vous savez qui est pour et qui est contre des passes de trois dont on ne connaît pas exactement les ressortissants. Est-ce que vous savez qui est pour et qui est contre? Qui est de votre côté, à votre avis, actuellement dans l'exécutif? Moi, je dirais comme ça, mais au feeling. Nicolas Sarkozy, plutôt pour. Mm-hmm. Les deux autres contre. Ah, le blocage viendrait plutôt de François Fillon.